Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtu, j'espère vraiment que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA Online pour vous faire part du tout nouveau débat que j'ai à vous proposer. Un nouveau sujet dans tous les cas, vous l'avez très bien vu dans le titre de la vidéo. On va tout simplement parler de l'entraide sur YouTube. Comme à chaque débat, vous pourrez lâcher un petit like, donner tous vos avis dans l'espace commentaire et pourquoi pas le partager sur Facebook et Twitter afin que vos amis puissent partager leurs pensées avec moi, histoire que histoire qu'on soit beaucoup plus pour réagir. Enfin bref. Donc déjà, faut savoir un truc, l'entraide c'est quoi? Donc déjà, je tiens à préciser que moi je suis prêt à aider énormément de personnes, mais il y a des conditions quand même. Je reviendrai sur ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc déjà, l'entraide c'est quoi? Donc l'entraide ce n'est pas de l'aide, faut le savoir. Donc beaucoup de personnes ne connaissent pas la définition de aide et entraide. Donc la définition de entraide c'est pas la même chose. Donc la définition de aide c'est tout simplement aider une personne sans forcément avoir quelque chose en retour. De l'entraide par contre c'est aider une personne, mais en retour cette personne vous aide aussi. Donc ça fait que toutes les personnes s'aident mutuellement et du coup vous êtes tous à peu près contents. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas et ne connaissent pas cette définition, donc comme ça je l'ai dit, donc je parle principalement aux youtubeurs petits comme de grands youtubeurs, faut le savoir. Mais après, tous ceux qui vont se lancer sur YouTube, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, comme ça vous n'allez pas faire la même erreur. Donc je tiens à préciser moi que, comme je l'ai dit au début de vidéo, je suis prêt à aider beaucoup de personnes, mais à condition qu'ils m'aident en retour et que ce soit des personnes qui soient entre guillemets des potes à moi. Je veux pas aider un inconnu dans la rue. Si, je vais l'aider, mais après ça dépend ce qu'il veut. Si par exemple, je sais pas, si c'est une personne qui a besoin de, je vais prendre un exemple bidon, c'est une personne qui a besoin de traverser dans la rue. Voilà, une personne âgée, elle a besoin de traverser, je vais l'aider, tu vois. Vous comprenez, je vais l'aider tout simplement. Bref, après je vais pas lui demander de l'argent, je vais rien lui demander en retour, voilà. C'est juste un signe de sympathie, je vais l'aider. Mais en ce qui concerne tout ce qui est virtuel, YouTube, les jeux vidéo, Facebook, Twitter, les pages follow moi, follow back, etc. Bref, tout cela, ça demande de l'aide, mais pas de l'aide, de l'entraide. Parce que on va pas demander à une personne, donc moi je reçois beaucoup de messages sur Twitter et Skype disant salut Virtueux, je viens de lancer ma chaîne, est-ce que tu peux m'aider à monter sur YouTube? Donc déjà, tu viens de commencer ta chaîne. Certes, d'ailleurs, je suis content pour toi, tu viens de commencer ta chaîne. Ok. Mais, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, est-ce que tu peux m'aider à monter? Déjà, je te connais pas, t'es pas mon pote. Je sais pas ce que tu vas faire sur ta chaîne. T'as aucune vidéo. T'as pas de bannière, t'as pas de logo. Et tu veux que je t'aide à monter. Donc ça veut dire que moi, j'ai été aidé par personne. Je suis monté tout seul, j'ai essayé d'avoir une communauté assez grande tout seul. Et donc toi, parce que tu peux me parler, tu vas tout simplement me demander que je te fasse un coup de pub. Ça marche pas comme ça. YouTube, faut savoir, ça marche pas comme ça. YouTube, pour réussir sur YouTube, faut de la détermination, faut de la patience surtout, et surtout proposer du contenu de qualité. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet-là parce que beaucoup de personnes ne savent peut-être pas, malgré toutes les vidéos sur YouTube, comment bien débuter YouTube. Toutes les personnes qui me demandent, ouais, est-ce que tu peux me faire un coup de pub, mets-moi dans ta description, etc. Pourquoi vous voulez que je fasse ça? Déjà, je te connais pas, et après tu veux que je te fasse un coup de pub. De plus, c'est pareil avec les gens qui me demandent de liker, de commenter leurs vidéos. Certes, liker, un petit like, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis prêt à aider les gens. Un petit like, ça peut toujours faire plaisir, ok. Mais après, si je like une personne, il va falloir que je like plus de 10 000 personnes. Étant donné que tout le monde va me demander. Et après, si je like une personne, elle va me dire, ouais, mais pourquoi tu me likes pas alors que t'as liké cette personne? Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous êtes assez grand pour comprendre. Donc, cette personne, après, elle va me dire, ouais, pourquoi tu me likes pas, etc. Donc, voilà, j'atterris pas dans la piscine, super. Je suis légèrement bloqué, je crois. Ouais, super, bravo Virtuose. Bref, donc oui, moi je vais liker les vidéos. Alors déjà, pourquoi je like des vidéos? Parce que les vidéos sont bien, les vidéos sont de qualité. Donc faut savoir que les gens me demandent des likes, donc que ce soit sur Skype
ou Facebook, beaucoup de personnes m'en demandent. S'ils me demandent ça, tout simplement parce que quand je like une vidéo, elle apparaît tout simplement dans mes flux. C'est-à-dire que quand vous allez aller sur ma chaîne, il y aura écrit « Monsieur Virtuose a liké cette vidéo ». Donc si je like une vidéo, c'est que je l'ai aimé. Et après, bah, vous allez vous dire « Ouais, il a aimé cette vidéo ». Donc du coup, on va pouvoir, on va la voir. Il a aimé, donc ça doit être un truc qui est bien. Alors, mais si une personne me demande de liker une vidéo et je la like et la vidéo ne m'a pas forcément plu, vous allez la regarder. Vous allez dire « Ouais, Virtuose, il aime ce genre de vidéo ». Ah non, j'aime pas, il me dégoûte. Voilà ce que vous allez vous dire. Moi, c'est ce que je me suis dit de beaucoup de youtubeurs. Moi, je like une vidéo tout simplement parce qu'elle m'a plu. Elle est de qualité. Le youtubeur, je l'aime bien. Donc, il y a beaucoup de vidéos que je like. Vous pouvez très bien le voir. Que ce soit des vidéos de musique, des vidéos sur GTA V, des vidéos sur Call of Duty. Je like énormément de vidéos. Vous pouvez très bien le voir dans vos flux. Donc, pour voir mes flux, donc si je like une vidéo ou non, vous allez tout simplement dans mes abonnements. Et vous allez tout simplement dans activité. Au lieu de faire mes abonnements, vous allez dans toutes les activités et vous allez pouvoir voir les vidéos que je peux liker, que je peux partager, que je peux commenter. Vous allez absolument tout voir. Et moi, je like particulièrement les vidéos qui me plaisent. Donc il y a des vidéos de Odemoniac, il y a des vidéos de Bad Girl, il y a des vidéos de Neos, il y a des vidéos de plein de youtubeurs, il y a des vidéos de ZRK des fois, il y a de tout. Vraiment, je fais pas je vais pas me dire ouais je vais liker une vidéo d'un grand youtubeur, etc. Je like vraiment de tout, que ce soit un youtubeur qui vient de commencer ou quelqu'un qui a des centaines de milliers d'abonnés. À partir du moment où la vidéo me plaît, la qualité est bonne et que le sujet est intéressant, je vais liker, je vais lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais les personnes entre autres qui me demandent ça, pourquoi vous me demandez ça? De plus, faut le savoir, c'est que toutes les personnes qui font ça, que ce soit sur Skype ou Facebook ou même Twitter, ces personnes, je ne les ai jamais vues dans mes vidéos. Quand je dis jamais, c'est jamais. C'est-à-dire que jamais vu partager sur Facebook. Parce que quand moi, quand je vais sur mon Facebook, je vois le fil d'actualité, je vois qui a partagé mes vidéos. D'ailleurs, tous ceux qui partagent mes vidéos, je les remercie. Ça fait plaisir, je vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'un coup de main, je suis toujours là pour vous. Il n'y a aucun problème. Moi, je remercie toujours ceux qui m'aident, comme je l'avais déjà dit. Mais les personnes qui me demandent ça, c'est des personnes que j'ai jamais vues sur mes vidéos, que ce soit en like, partage, commenter, jamais vu. Et ces personnes ont le toupet quand même de venir me dire « Ouais Virtuose, est-ce que tu peux m'aider à grimper sur YouTube? Aide-moi s'il te plaît, j'ai trop envie de me lancer. » Pourquoi tu veux que je t'aide alors que toi, en contrepartie, tu likes même pas mes vidéos et tu m'aides pas forcément? Pourquoi tu veux que je fasse ça? Ça, c'est vraiment un sujet assez important. Et il faut surtout que vous vous mettiez dans la tête, je parle de beaucoup de youtubeurs. Moi je sais qu'il y a un youtubeur que je connais, d'ailleurs je lui fais une grosse dédicace, il s'appelle Loki Délire. Je mettrai sa chaîne dans la description, donc cette personne ne m'a absolument rien demandé, jamais. Elle m'a absolument jamais rien demandé. Cette personne like mes vidéos, commente mes vidéos, partage mes vidéos, ça fait super plaisir. Je la vois tout le temps sur Facebook avec ses vidéos, lâchez un petit like. Partagez-la et je vois ces vidéos. Franchement, certes, les miniatures font très très mal aux yeux, certes, c'est vrai. Donc ce youtubeur a que 40 abonnés, 44, c'est 45 je crois. Je suis pas abonné à sa chaîne, certes, mais quand je vois ces vidéos, qu'il les partage sur Facebook, excusez-moi, donc je suis encore un peu, je suis encore malade, hein, je m'excuse. Mais cette personne, je vois qu'elle essaye de se démerder sur YouTube, elle essaye de s'en sortir, même si elle a pas beaucoup d'abonnés. Elle va pas chercher les grands youtubeurs pour qu'ils leur fassent de la pub. Cette personne, je te fais une grosse dédicace, donc vous pourrez retrouver sa chaîne qui sera dans la description. Donc j'espère que tu verras cette vidéo, elle t'est pas dédiée, mais voilà, je te fais un petit coup de pub parce que tu le mérites. Ta chaîne a vraiment du talent, tu fais des vidéos délire sur GTA V, tu fais un peu tout. Donc voilà, moi je l'ai dit, je suis prêt à aider énormément de personnes à condition que ces personnes là m'aident en retour. Moi vous partagez mes vidéos, vous les likez. Je remarque les personnes qui likent, dans tous les cas je peux voir toutes les personnes qui likent mes vidéos. Et après je peux savoir qui m'aide. Donc du coup vous arrêtez de demander des likes à des grands youtubeurs ou à des youtubeurs tout simplement, de faire un coup de pub et rien en retour. Vous arrangez pour créer des projets. Moi j'ai des projets avec des youtubeurs, j'ai des projets qui ne sont pas encore en place et qu'on va mettre en place, donc ça arrive bientôt. Mais voilà, demandez des projets, demandez pas tout simplement de l'aide pour pouvoir grimper très rapidement sur YouTube. Comme je l'ai dit, YouTube, il faut de la patience, de la détermination. Si vous êtes déterminé, vous allez réussir, vous allez être
Si vous vous donnez du travail de qualité, vous allez toujours être remercié. Merde, le mur. Et du coup, voilà, je pense que le sujet est clos. Vous donnez tous vos avis dans l'espace commentaire. Vous dites si j'ai raison ou j'ai tort. Si j'ai raison, vous dites pourquoi. Si j'ai tort, vous dites pourquoi. Likez et partagez sur Facebook, ça fait toujours plaisir pour moi. Je vais tout simplement vous demander de lâcher un petit pouce bleu. Après, si vous lâchez un petit pouce rouge, bah écoutez, c'est votre plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à disliker mes vidéos. D'ailleurs, il y a un mec dans ma dernière vidéo, vous allez peut-être aller le voir. Donc, c'était dans ma vidéo de stun. Cette personne m'a tout simplement, en commentaire, a dit « Les dislikers, vous êtes où ?» Alors, moi, j'ai été très sympa. Je lui ai dit « Merci de ton commentaire très utile. » Donc, voilà, c'était une petite parenthèse. Et du coup, voilà, l'aide... L'entraide, moi je suis prêt à le donner à partir de ce que les gens m'aident en retour, comme je l'ai dit. Et du coup, voilà, ce sujet est clos. Donnez tous vos avis dans l'espace commentaire. Moi je vous retrouve dans 2 prochaines vidéos, que ce soit sur GTA ou d'autres jeux. Allez, ciao bébé tout le monde.